Comment modifier une vidéo YouTube déjà mise en ligne? C'est l'astuce du jour. Vous avez certainement eu ce problème. Vous avez mis en ligne une vidéo YouTube que vous n'avez pas terminée au niveau du montage. En tout cas, vous avez la possibilité de modifier une vidéo YouTube déjà mise en ligne, de couper une partie, de modifier le son, etc. Donc, je vais modifier cette vidéo que j'ai déjà mise en ligne. Comment télécharger des séries et films gratuitement en ligne? Donc, vous cliquez sur modifier. Une fois que vous êtes sur le détail de la vidéo, vous cliquez sur montage. Cette application, cette partie de YouTube montage, certainement vous n'avez jamais utilisé cette partie, c'est le moment idéal pour l'utiliser. Donc vous cliquez sur montage. YouTube a tout dernièrement apporté des modifications à l'outil montage. Maintenant, vous avez plusieurs possibilités qu'offre l'outil montage. Donc à partir de l'outil montage, vous pouvez flouter une partie d'une vidéo, c'est la partie là, floutage. Vous pouvez flouter une partie d'une vidéo, vous pouvez ajouter un audio. Bon, l'ajout de l'audio, c'est à partir de YouTube, pas à partir du fichier, à partir de l'ordinateur, mais c'est pas à partir de YouTube. Donc, vous pouvez ajouter un écran de fin, comme vous pourriez le faire au niveau des détails. Vous pouvez aussi ajouter des fiches et infos, comme vous pourriez le faire au niveau des détails. Vous pouvez aussi ajouter des coupures publicitaires au niveau du montage. Vous pouvez tout faire. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est couper. Modifier une vidéo à partir de l'application montage de vidéo. Couper. Au niveau de ma vidéo, j'ai fait exprès de faire des parties noires. Vous voyez ici des écrans noirs, ici aussi des écrans noirs. J'ai fait exprès de laisser cette partie noire pour pouvoir vous montrer comment couper des parties d'une vidéo déjà mise en ligne. Donc même si vous l'avez publié, vous pouvez le faire. Donc voici l'écran noir. Je vais couper à partir de là. Là, ici, vous pouvez faire un zoom sur la timeline. Ici, vous pouvez faire un zoom. Voilà. Donc, je vais pousser jusqu'ici. Ok, je peux couper là. Donc, vous cliquez ici, couper. Une fois que vous cliquez sur couper, donc, je vais juste couper cette partie d'ici jusqu'ici. Donc, vous faites diviser. Voilà, une fois qu'on a cliqué sur diviser, maintenant, je vais glisser vers la droite. Voilà, jusqu'à... Donc, c'est cette partie noire là que je vais couper. Quand je glisse, c'est cette partie là qui va être coupée. Ok, maintenant... On va cliquer sur prévisualiser. Une fois que vous coupez une partie, vous cliquez sur prévisualiser. Tant que vous ne cliquez pas sur prévisualiser, vous ne pourrez pas enregistrer. Voilà. Donc vous cliquez sur prévisualiser. Ensuite, je fais enregistrer. Donc j'ai coupé cette partie de la vidéo. Je vous ai montré comment couper une partie de la vidéo, la modifier. Voilà. Nous sommes maintenant à la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas d'aimer la vidéo. Surtout aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir de voir que les gens aiment ce que je fais. Donc n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. Donc on se dit à la prochaine. Retrouvez-moi bientôt pour de nouveaux tutoriels. Donc ciao.